dit dans Jean 6, le verset 63, ma parole est esprit et vie. Jean chapitre 6, le verset 63. Il dit, ma parole est esprit et vie. Ça veut dire, Dieu est esprit et l'esprit, c'est la parole. Ça veut dire, l'homme, ça, qu'il a créé, hein, premier homme, lui qui est fait à l'image, lui, qui pas bien, yon chair, je m'habite d'où là, gens qui m'ont même moins bien là, qui pas bien, zo, gens qui m'ont même moins bien là, mais lui était seulement yon esprit, c'est la convainc que lui. C'est pas un bagaille qu'on va boire. C'est ça que nous toujours dire. Lorsque yon moun, yon on ti moun pas le fait, ti moun nan ni pas dans votre maman. Ça veut dire pile fois, parents disent, et si vous ne savez pas, je ne comprends pas ce que je dis, parce que dans la race, je ne comprends pas ce que je dis, mais ça, je ne comprends pas dans la race. Si vous n'avez pas des messieurs, parce que vous êtes une race, ils ne sont pas criminels parce que papa est criminel. L'autre, ils ne sont pas criminels parce que les parents sont des faire. Mais ils agissent à partir des semences qui sont dans eux. À partir de qui côté qu'ils sont sortis. S'ils sont dans Dieu, dans la création de Dieu, Jean Dieu fait Adam là, ils sont partis d'Adam, il est impossible pour agir, j'en agir là. Parce que la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Il n'y a pas qu'on s'évance bon Dieu, et puis pour la tuer. Il dit qu'il doit faire un rêve faire. Mais immédiatement, quand il a la voix de Dieu, la confesseur, ça le fera, il va continuer à faire. Parce qu'ils sont seulement mon Dieu. Ça veut dire l'homme ça que Dieu a créé, il était semence. Et la Bible dit, la femme était dans l'homme. Ça veut dire que femme sont sous-produits qui sortent à travers de l'homme. Maintenant, est-ce que Dieu veut nous l'homme pour contre lui dans Genèse chapitre 2. Et je ne vais pas prendre toute l'air parce que je ne vais pas nous trois. Je vais seulement arriver dans ça, je dis ça. Parce que Dieu vient retirer la femme dans l'homme. Dans Genèse chapitre 2, le verset 21. Ça veut dire, premier homme, il était un petit bon Dieu. Dans Genèse chapitre 2, le verset 21. Dieu retirait la femme dans l'homme. Éliminé par l'homme. Ça veut dire ni l'homme que tu créas, ni femme que tu retirais, ils ont tous deux, ce sont des enfants de Dieu. Ils ont tous deux, ce sont des enfants de Dieu. Ça veut dire, ils ont fait avec la parole. Ça veut dire Dieu parlait et puis ils ont existé. Ça veut dire créer. C'est faire quelque chose qui pas jamais existé avant qui vient exister. Ça veut dire pas qu'il y a rien là-dedans qui peut exister. Parce que l'homme pas de rien de soutien qui est capable pour faire l'homme. C'est ça que Dieu créé l'homme parce que c'est faire quelque chose qui pas jamais existé avant. Bible là, il va pas créer une Bible. Il va former une Bible. Parce que il y a matière pour faire Bible. Vous ne pouvez pas créer ça. Vous ne pouvez pas créer une machine. Vous ne pouvez pas former une machine. Parce qu'il y a des batailles qui existaient pour faire machine. Mais lorsque Dieu t'a créé, pas de gagner qui existait pour faire ça pour la faire. Maintenant, lorsque Dieu fait créer l'homme, la Bible dit dans Genèse 3, Satan vient entrer en scène comme il y a. Dieu débaille l'homme en l'ordre. Dans Genèse chapitre 2, les versets 16-17, je crois. Il n'est pas trop de temps pour mon vie, quand il m'a privé. Dans Genèse 2, verset 16-17, Dieu baille l'autre là à l'homme. Moi, vraiment, moi qui connais les bagailles déjà, il va faire moi. Parce que l'homme nous demande, on est là obligé. Vous obligé à reprendre pour lui. Parce que l'église est consacrée, vous j'ai reprendre, reprendre, reprendre. Ça, on dit déjà, parce que vous m'avez posé des questions, ou j'ai retourné back derrière encore. Là, on a venu la poser des questions, comment elle bagaille, comment elle bagaille. Obligé de prendre pour lui-même, pour faire plaisir.
Mais même si on connaît déjà, peut-être que tu es là ton bagage pour apprendre ce qu'il dit. Dans Genèse 2, verset 16, 17, Dieu te baille l'homme dans yon l'ordre. Il te dit l'homme nan, gen yon ap nan jardin, hein, puis qu'on mange ap sa. Ça qui c'est une confusion totale pour dénomination. Parce que pile moun yon pour penser ap la, c'est une pomme. Pour yon même, c'est une pomme, yon pas de manger. Pas bien la Bible dit, pas de yon fruit, yon pomme son fruit. On va aller dans Genèse chapitre 2, les versets 16, 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu es capable de manger tout arbre qui est dans le jardin. Mais arbre connaissance bien et mal, là, il va dire fruit. Nos pommes sont fruits. Yon pomme pa yon arbre. Il dit fruit. Ça veut dire, il dit arbre. Il dit si ou elle mange arbre connaissance bien et mal là, ou elle mourir. Et nous te expliquons ça déjà. Tout le monde connaît arbre qui est qui s'allie. Nous dit la femme sont arbre fruitier et qui capable de reproduire. Dieu pas voulu l'homme peuplé par la sexualité. Mais Dieu te veut l'homme peuplé par la parole. Amen. Parce que Dieu est la parole. Dieu, c'est la parole. Dieu, pas d'accord pour l'homme peuplé par la sexualité. Mais tu veux l'homme peuplé par la parole. Maintenant, et après que l'homme n'a fini, Dieu finit par l'autre ça. C'est pas hein, dans le côté de l'homme, dans Genèse chapitre 3, les versets 1 à 4, je crois. Donc, ouais, moi, je suis venu après prochain, et après, je n'ai jamais fini le service là. À cause de. Pour me connaître, je me défendais pour le finir, mais pour aller. Dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 4. On va tomber un petit moment. Il va compter. Dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 4, la Bible dit serpent, hein? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il y a un autre bagage à s'y aller pour soeur, moi encore. Nous avons touché le dossier ça ensemble. Nous avons touché le dossier d'Antipitia. Pas de nouvelles. Et nous avons touché le dossier ça ensemble avec. Je pensais que c'est bon, c'est Jean lié à quel pays pour commencer. Non. C'est bon, l'idée était pour le monde. C'est bon, l'idée était pour le monde. L'idée était pour le monde, il a parlé. Il était à raisonner, il était à marcher dans le l'homme. C'est pas en tête de courir au monde qu'elle était. C'est pas par Jean qui est là. C'est ça que fait le serpent à côté Ève, il parlait avec Ève. Il dit Ève, est-ce que Dieu réellement dit que on va devoir manger fruit? Mais Ève dit nous comment tu as dans jardin. Mais quand tu as connaissance du bien mal là, on va pas manger. C'est pas en qu'à parler. Mais pourtant, Dieu, après ses profils faits, l'homme tombé dans sa guerre, Dieu maudit ses pans. Dieu dit ses pans, à cause de son fait, qu'on y a là, on va le ramper. Amen. Et ça fait le prophète David. Il dit qu'il y a des hommes, qu'il y a des scientifiques qui ont cherché des chenots manquants, il y a quelques bagages qui manquent, mais pas besoin qu'à jeûne. Parce que, il y a des gens qui prennent des réseaux bêtes. Mais je ne sais pas si je veux dire, parce que raison, c'est pas en ces maudits que maudit.
Il va déjà mourir pour quitter. C'est seulement son transformation qui fait dans lui. Il vient apprendre sous terre. Pas bien des gens qui fait là, c'est un petit bon Dieu qui est oui. La Bible dit serpent était purisé d'un côté Ève et Ève mangeait. Non seulement manger avec serpent, elle mangeait tout. La fille Ève côté par Marie mal manger avec lui. Nous devons, il y a trois types de manger que nous devons. Nous devons manger. Nous devons manger naturel. Nous devons manger naturel. Nous devons manger spirituel. Et nous devons manger sexuel. Nous devons trois types de manger. Qui est naturel, qui est spirituel, qui est manger sexuel. Il y a des points qui sont bas sous lui. Parce qu'il y a rien encore. Face là, il y a rien encore. Qui est manger sexuel. Ça veut dire, nous devons au verset, yo, dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, et verset 16. Genèse 1er, verset 16. Dieu vous a mangé tout acte dans le jardin. Nous devons prendre Esaïe 56, verset 4, nous allons comme ça. 56, verset 54. Et Esaïe chapitre 54 ou 56, c'est mon rappel même. Quand elle dit, venez, vous-même qui soif, venez aux eaux. Ça, c'est la parole de manger spirituel. La parole de manger spirituel pour Esaïe, chapitre 1. Je vais essayer. Mais je connais ce proverbe 30, le verset 20, pour manger sexuel. Proverbe, chapitre 30, le verset 20. Il dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et suit la bouche. Et dit, je n'ai rien fait du mal. Ça, c'est chemin, si adultère, il mangeait, les cieux bouchis, il m'a fait rien qui mal. Là, il y a trois types de manger. Ève qui mangeait avec ses parents sexuellement.